On ouvre ces news avec le Noël Xbox de l'ours Bernard. Si vous voulez remporter plein de cadeaux, rendez-vous sur les Twitter de XboxFR et de Bernard pour les suivre. Des jeux, des abonnements Gold ou encore des accessoires sont à gagner avec les hashtags Noël Xbox et hashtag Bernard. Le premier DLC de Star Wars Battlefront est enfin disponible et on y découvre la planète Jakku, lieu de bataille du prochain épisode de Star Wars Le Réveil de la Force avec deux nouvelles maps. Un nouveau mode de jeu est aussi implémenté, le mode plaque tournante pouvant accueillir jusqu'à 40 joueurs. Nul doute que les fans seront ravis et encore plus impatients de découvrir le film en salle. Un tout nouvel événement débarque dans Destiny, le roi des corrompus. Pendant 3 semaines, affrontez les autres joueurs sur des courses endiablées de passereaux sur les circuits de Mars et de Vénus avec des véhicules, des tenues et autres revêtements à gagner sans débourser un écu. Attention, fin des hostilités le 29 décembre. Bethesda propose de jouer gratuitement à The Elder Scrolls Online jusqu'au lundi 14 décembre. Partez seul ou à plusieurs à travers les contrées fantastiques de Tamriel vivre une aventure épique. Et si vous avez adoré, vous aurez également 60% de réduction sur le jeu. Alors affûtez votre lame et préparez vos sorts pour aller essayer ce MMO très original. Un nouveau trailer pour LEGO Marvel Avengers vient tout juste de sortir. Toujours aussi fun et décalé, le titre nous permettra d'incarner nos héros ou méchants préférés sur une dizaine d'environnements différents. Sorti le 27 janvier prochain pour petits et grands. Cette fin d'année était déjà bien remplie et de nouveaux titres ont été annoncés pour bien commencer la prochaine. Véritable pépite, Gone Home sortira sur Xbox One le 12 janvier. Une jeune femme, de retour chez elle après un long voyage, tente de percer le mystère autour de la disparition de sa famille. Ubisoft a communiqué les dates de sortie de ses deux nouveaux Assassin's Creed Chronicles, India et Russia. Ce sera le 12 janvier pour l'épisode qui se déroule en Inde et nous fait voyager dans l'Empire Sikh en 1841. Le dernier épisode, lui, sera disponible le 9 février prochain, et on y retrouvera l'assassin Nikolai Orlov dans la Russie de 1918. Fan de zombies, dézinguez du mort-vivant avec Resident Evil 0 HD le 19 janvier. Et vous en voulez encore? Alors attendez le 22 janvier prochain pour vous procurer Resident Evil Origins Collection, qui regroupe le premier volet et l'épisode 0. Le maître du jeu de rallye est de retour le 5 avril prochain et on peut d'ores et déjà vous dire que le tout nouveau moteur physique de Dirt Rally s'annonce ultra réaliste. Dark Souls 3 sera disponible le 12 avril, alors préparez-vous à mourir beaucoup. Et on termine avec les bons plans Gold de la semaine qui proposent des réductions jusqu'à moins 60% sur la licence Battlefield et notamment 50% sur le bundle regroupant Battlefield 4 et Hardline. Allez, on se retrouve sur les réseaux sociaux pour plus d'infos et sur Twitch pour des lives avec Kittis et Clément. En attendant, bon jeu à tous.